Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Map Parcours, cette fois-ci sur un Map Parcours Elytra Rush, Rush d'Elytra. Donc en gros, c'est une Map Parcours avec des Elytra, fait par The Blue Man, notre grand map maker évidemment, et nous avons des pigeons, je ne sais pas ce qu'ils foutent là, mais c'est pas grave. J'ai vu aussi quelque chose à travers la fenêtre de ce bâtiment, je le vois encore, actuellement j'ai pris un screenshot sans faire exprès. Ah. Yes. Oh, what the heck? Elle me regarde en plus. What the... Comment c'est fait? Et je suis... Regardez, je suis là. Je suis là deux fois. Nice. Oh, on peut s'asseoir. What? Est-ce que c'est un cheval? F3 plus B. Je vois pas l'hitbox. What? Comment il a... C'est un bateau ou autre chose? Ok, y a... Je vois que The Blue Man a sorti la haute technologie. Le sol est mouillé. Nice. Est-ce qu'on peut vraiment... Non, on peut pas tomber. Il y a un truc d'eau. Et il y a aussi un truc là. On peut s'asseoir évidemment sur la chaise. C'est trop bien. Il faudrait des vraies chaises dans Minecraft. Les pots de fleurs aussi. What the... Pourquoi? Pourquoi avoir... Alors, ça me dérange pas, mais pourquoi avoir passé autant de temps à faire des trucs aussi bien faits en fait? Regardez ça quoi. Le souci du détail, incroyable. Ok, alors il y a une petite histoire dans cette map et apparemment c'est combiné avec les histoires d'autres maps. Après, vous savez que moi, les histoires, hein, oh, il faut appuyer. Les histoires, hein, tant que j'ai une excuse pour faire du parcours, c'est tout ce dont j'ai besoin. Ça, c'est avec des shulkers, ça je le sais. The Blue Man present. With the help of Benjamin in 874. Benjamin. Je l'ai lu à l'anglais, je sais pas pourquoi, mais... Elytra Rush. Yay. Alors, je vois déjà, à mon avis, des paysages qu'on va voir justement pour ce Elytra Rush. Great view from up here. Nice. Oh, il y a une autre personne. Bonjour. Welcome to Solar Tech Core's lab. Oui. Follow me, please. Ok, je vous suis, madame. Oh, c'est horrible. Quand vous avez un NPC qui avance plus lentement que vous et du coup vous devez ralentir. Ok, ils vont piquer la technologie à des endroits. Ok, je dois aller chercher des artefacts. Ok, donc c'est une entreprise qui a des technologies incroyables. En fait, ils vont piquer les technologies et on voit The Blue Man qui me... Oh, il est beaucoup plus réaliste que d'habitude. Ils ont upé leur technologie maintenant... J'ai un The Blue Man qui me fixe. Je suis Benjamin 874 qui me fixe. Nous avons le leaderboard et l'histoire aussi, apparemment. Et puis vous avez le leaderboard classique. Quand vous complétez la map, vous allez sur le site avec le leaderboard et vous pouvez mettre votre temps comme ça. Vous pouvez comparer aux autres. Ok, oh le petit effet de glitch dans l'écran. Il y a tellement de détails. Regardez, oh le golem. Nice. Pour ceux qui voulaient le golem, le voilà. Voilà à quoi il aurait ressemblé. Pourquoi il y a une chaise en plus? Ok. Parfait. Ça, c'est moi quand je dois attendre quelque part. Je trouve la chaise la plus isolée. Je m'y mets. Et j'attends. Ok, alors on peut sélectionner apparemment le niveau. Mais à mon avis, je n'ai qu'un niveau vu que je viens de commencer. Donc commençons. Oh, ils ont fait des trucs géants à nouveau. Nice. Ok, sky is the limit. Vous voyez que j'ai une barre de temps. Et mon but, c'est juste de passer dans les cercles. Donc, c'est techniquement pas du parcours à proprement parler. Mais c'est quand même fun, une course de Elytra. Donc, ouais. J'aime bien qu'ils mettent en surbrillance l'anneau où il faut aller. Oh, la vache. On avait trop de vitesse là-dessus. Et je vais ralentir un petit peu ici, surtout là. Voilà. On regarde sur le côté pour ralentir avec les Elytra. Oh. Un petit peu trop bas. Ugh. Ok. Un peu trop ralenti ici. Et nous arrivons dans cette mine. Zaboom. Nice. Level. New level unlocked. Oh. Oh. J'ai collecté l'artefact. Nice. Et vous voyez qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 12. Il y en a 12. Selon mes calculs extrêmement précis, il y en a 12. Mine. Ok. Et ça, à chaque fois, en mode très grand, en fait.
C'est marrant, ça perturbe mon esprit, parce que quand vous voyez ça, vous dites, oh, c'est petit, mais quand je bouge, c'est grand en fait. C'est très perturbant. Extrêmement perturbant, si vous voulez mon avis. Oh, ok, pas trop de vitesse. Ok, ah, on a une fusée. Où est le prochain? What? Oh! Fuck! Pourquoi il n'y avait pas le petit drone habituel qui me dit de regarder vers le haut? Hein, The Blue Man? Je suis déçu de ne pas avoir eu le petit drone qui vole et qui me dit « Hey, va vers le haut. » Bon, en vrai, c'est de ma faute. Si j'avais une roquette, j'aurais dû me douter que c'était en haut. Wouh! Ok, oh. Encore une roquette. Ok, bon, je l'utilise, hein. À mon avis, c'est pour aller plus vite. Yes, c'est pour aller plus vite. Oh! J'ai bourré dans la fin, là. De toute façon, c'est un autre TP automatiquement. Ok, nous avons le deuxième artefact. Qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est une poudre encore, ok. Mais là, c'est... C'est quoi, ça? Ok, on a... Un marteau, une torche, peut-être? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ocean. Océan. Ok. Oh, nice. Bien foutu le kelp et tout, là. Y a pas à dire. Y a du bon travail de Benjamin. Je suppose que c'est Benjamin qui a fait toute la déco. Et que The Blue Man, lui... Oh! Quand on se bourre contre un bloc, ça nous rajoute 10 secondes. Ok. Ok, alors ça, c'était pour changer de direction rapidement, qui nous a donné une fusée. Oh, fuck! Ok. Oh, la vache, c'est... Ça va devenir de plus en plus compliqué, ce qui est logique en même temps. Ok, on garde la fusée, on en a une autre. Ouh! Voilà. Oh là là, oh là là, oh là là. Non, c'est pas assez vite. Oh la vache. Ok, je m'attendais à ce que, comme il me donne beaucoup de fusées, bah il me dit, oh, bah vas-y, utilise-les, quoi, basiquement, mais... Nope. Oh la vache, ok. C'est misérable, ma performance ici. Là, j'ai utilisé le strict minimum, ok. J'ai gardé toute ma vitesse. Là, je peux me le permettre de l'utiliser. Là aussi. Voilà. Hop. Yay! Même pas besoin d'atterrir calmement d'ailleurs, il faut juste rusher la fin. Ok, un autre bâton mais d'une autre couleur. Mushroom! Ok. Des champis. Il y a des champis, je confirme, c'est des champis. Dès qu'on bouge, ça start le timer d'ailleurs, donc j'ai le temps de regarder si je ne bouge pas. D'admirer un petit peu la vue. Je vais me permettre de les utiliser là. Oh, j'aurais dû attendre un petit peu, mais ça va encore... Je vais vraiment les utiliser quand j'en ai besoin, parce que j'ai appris de mes leçons, dirons-nous. Ok. Oh, fuck. J'aurais dû donner un coup de fusée pour éviter cet accident. Oh, ok. C'est pas grave. Oh. Ok, bon, bah là, c'était plus grave que je ne l'imaginais. Oh, non. Je l'ai pas eu. Ok, c'est bon. Ok. Oh non! Ok, non, c'est bon. Ça va encore. Hop! Eh non! T'es sérieux? Il n'a pas détecté! Oh! Quelle indignité! On peut pas bourrir dans la fin, finalement. N'abourrez pas dans la fin. C'est plutôt une mauvaise technique, je dirais. Oh, oh. C'est toujours bon. C'est toujours bon. Je suis dans la course avec juste un petit peu de temps rajouté. Mais j'ai presque pas fail, hein, donc c'est bon. Ok, alors c'est là que ça, on remonte. Oh yes, quoi? J'ai buré dans le mur et du coup je suis mort, donc je recommence tout encore une fois. Ok. Yay! Qu'est-ce que j'ai maintenant? Un bâton d'une autre couleur, je parie. Un bâton d'une autre... Ah, un bâton d'une autre forme. Nice! Donc là, on avait la poudre. Là, on avait la torche. Là, on a le bâton aquatique. C'était électrique. Là, on a carrément le bâton électrique ou un truc de communication, je ne sais pas. Lush Cave. Ouh, nice. Ma foi, ça permet de voir un petit peu avant la sortie... enfin, non... D'ici la sortie de cette vidéo, oui, là, 1.18 sera sorti en vrai. Je la tourne à l'avance. Ok, ah oui, le timer est en route là. Ok, hop.
Faudrait qu'il active seulement le timer quand on utilise les éditeurs, comme ça j'ai le temps de regarder ce qui se passe. Parce que j'aime bien admirer la map, moi. Quelle indignité. Ok. On monte. Ensuite, on redescend là-dedans. Plutôt simple jusqu'à maintenant. Du classique. En fait, quand il n'y a pas les fusées, je me débrouille mieux parce que j'ai... En fait, je me débrouille bien en Elytra, sans fusée. Enfin, avec le minimum de fusées, parce qu'en survie, on utilise le minimum de fusées. On ne s'amuse pas à en utiliser plein tout le temps. Donc, j'ai appris à maîtriser les Elytra en utilisant le strict minimum de fusées. Donc, quand il y a, comme ce parcours-là, juste avant, le strict minimum de fusées, c'est bon. Maintenant, j'ai un bâton d'une autre couleur et d'une autre forme encore. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais apparemment, ils sont précieux. Donc, c'est tout ce qui compte. Ah, il y a des fusées ici. Hop. Oh, est-ce qu'on peut passer là-dedans? Yes. J'utilise mes fusées trop tôt des fois. Faut que je les garde pour un petit peu plus longtemps. Bon là, j'ai pas trop le choix de l'utiliser, sinon je ne finirai pas là où je dois aller. Hop. Hop. Évidemment, on peut utiliser les fusées pour changer de direction très rapidement. Très important. Voilà, ils auraient pu nous en donner une. Hop. Oh! Oh! Je me suis crashé dedans. Ok. Ok, je prends ça comme pause, ok. Histoire de... Oh, ok, on a une autre fusée, mais finalement, l'utiliser n'est peut-être pas une bonne technique. Hein, parce que si je me crache dans le mur, je perds tout, hein. Ok, c'est bon. Des bots. Wait, can you repeat? What? I'm telling you. There is something wrong with the dimension. Why is everything so big? What if everything is so big? We don't have time for this. Hey. May I recall you that in a few days the Earth is going to be destroyed? Quoi, la Terre va être détruite? We need an artifact powerful enough to destroy the asteroid. Un astéroïde? But what if my theory is correct? What if this dimension was once a battlefield? And what if c'était un battlefield? Battlefield 2042? Plein de bugs, évidemment. Ok, Delta. Oh, non, pas le Delta. Alors, maintenant, ça... Depuis 2021, ça a une autre connotation, Delta. Ouais. C'est plus la même chose. C'est plus ce que c'était, on va dire. Yep. C'est pas grave. Hop. Wow. 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 Ok. Wow. Et zut. Oh, j'ai oublié d'aller admirer la paire de bottes. L'artefact de la... Fini. Bon, ça compte, hein. On va pas se plaindre. Ça compte. Et quand ça compte... Ben, ça compte. Tout simplement. Oh. Oh, il est là. C'est là, la fin? Je pense que je suis arrivé à la fin. Oh! Yay! Qu'est-ce que j'ai comme artefact cette fois-ci? C'est un casque de réalité virtuelle. C'est totalement... C'est un casque de réalité virtuelle. Donc on a une poudre bleue, plein de bâtons, une paire de bottes en fer. Et un casque de réalité virtuelle. Ok, ma foi, on pourrait faire un robot avec tout ça. Genre ça, c'est chaque jambe. Et puis il a une paire de bottes. Et puis il a des lunettes, peut-être. Ok, Soul Sand, c'est parti. Ah oui, oh, j'aime bien la texture à Soul Sand, elle est bien foutue. Nice. Elle rend vraiment bien, franchement. Les autres blocs, quand vous êtes prêts, vous êtes en mode... Ah, oui, ça... Oh, what? C'est pas là? What? What? Attends. Je veux dire, les autres blocs, quand... Vous voyez, quand on est prêt, on voit que c'est des blocs. Mais ici, même de près, ça... Ça donne toujours l'illusion de la texture. Franchement, elle est bien foutue. Hein. Les blocs d'os avec des blocs de birch, why not? Ah, ok, voilà. Je me disais bien aussi que c'était pas possible. Les flammes aussi. Aïe. C'est pas moi qui me suis crashé. Ok. On passe là-dessus. Oh, il n'y a pas de fusée ici, donc on doit garder notre momentum. Hein. Très important. Aïe. C'était un fail monumental. J'oublie que notre vue est mal foutue avec les Elytra. J'oublie que j'ai plus de jambes quand je suis en Elytra. Enfin, si, j'ai toujours des jambes, mais...
Ma hitbox est plus petite. Mais ma vue est toujours au niveau de ma hitbox. Donc il faudrait que... Oh. The... Yay. Oh, 10 secondes. Il a rajouté 10 secondes parce que je me suis crashé sur la fin. Oh, une tête maintenant. Est-ce que... Ou c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est un robot? Ça ressemble à un robot un petit peu. Je commence à avoir les pièces d'un robot, non? Start. Ok. Oh. C'était quoi le biome? J'ai oublié de regarder. Bon, peu importe. Ça doit être les biomes chauds. Aquatique. Yes, ça ressemble à ça. Oh, nice, on passe dedans. Ok. Oh, un petit crash, mais rien de... Ouf. Ok, je suis toujours en vie, donc c'est ce qui compte. Ah oui, j'ai une barre de vie, en fait. J'avais même pas vu jusqu'à maintenant. Wouh! Je prends ça pour m'y retrouver aussi. Je prends ce temps, vous voyez. Oh, c'est là la fin. Ok, j'ai plein de fusées, je pourrais continuer de voler, moi. Mais on va atterrir calmement cette fois-ci. Ok, qu'est-ce qu'on va débloquer comme artefact? Canon. Une caméra. Vous savez pas, des fois, vous regardez un mot et d'un coup, vous réfléchissez trop à ce mot et vous vous dites, mais pourquoi il est prononcé comme ça? Vous trouvez ça bizarre. C'est exactement ce que je viens d'avoir. Un caméscope. Je me souviens, man. Pas un camétoscope. Un camétoscope, ça fait penser à autre chose, en vrai. Mais bon, c'est pas... Oh, faut passer dans la vitre. Oh. Ok, j'ai pas pris de dégâts. Excellent. Oh, on doit remonter. Ouh, tout pile. Voilà, il en fallait pas plus. Hein. Une petite coup de fusée pour redonner du boost. Aïe. Et j'ai perdu toute ma vitesse. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Ouh, oh, c'est bon. Tout va bien. Yay. Tout va bien. Non. Tout va pas bien. Tout va mal. Le monde est en péril parce qu'un astéroïde arrive. Mais le plus grave, c'est que je me suis crashé, en fait. Hop. 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 Et la fin. Oh. Finalement, il n'a pas fait plus grand, les maps. Je m'attendais à ce qu'il les fasse de plus en plus grand, mais elles sont à peu près toujours de la même taille, quand on y pense. Ça gêne pas, elles sont bien designées. Une cartouche? On dirait une cartouche. Ouais, ça fait tellement penser à une cartouche de jeu, ça. C'est ce qui va sauver la Terre, à mon avis. Peut-être le caméscope aussi. Même s'il ressemble à un canon. Ça pourrait aider. Ravin. Ok. Ravin. Oh, il y a les bulles. Oh, c'est bien fait. Nice. Very nice. Oh, c'est une speed map, à ce que je vois. Oh. Évidemment, vous pouvez faire du time attack. Ouais. Est-ce que je dois aller? Oh là. Oups. Oh, ça compte. Ça compte totalement, ok? Hop! Parfait! C'est exactement comme ça qu'il fallait le faire. Je suis sûr que Blue Man regarde et qu'il est en mode exactement comment je l'avais imaginé. Est-ce que c'est... un bout d'une île volante dans un tube, ok? Dans un bocal, ok? Librairie! À mon avis, c'est là qu'on va trouver l'artefact qu'il faut. J'en suis sûr et certain. Une librairie, sûr et certain. C'est là qu'on trouve les trucs les plus puissants. Et c'est évidemment la connaissance. Here in my garage, with my new Lamborghini. Ceux qui reconnaissent le mime. Il y a 5 personnes qui vont le savoir dans les commentaires, je suis pratiquement sûr. Hop, pas beaucoup, mais suffisamment. Mais c'est vrai que l'arme la plus puissante, c'est la connaissance. Le premier truc que font les dictateurs quand ils prennent le pouvoir, c'est restreindre l'accès aux bibliothèques, voire même les brûler, brûler les livres. La connaissance, c'est une arme de destruction massive. Plutôt de création massive et de destruction de régime massif. C'est devenu très profond. Yes,
We found something. Oh. Or maybe should I say someone? On a trouvé quelqu'un? Seems to be in a coma. Oh. He was seriously injured when we found him. OK, c'est moi. Mais c'est pas moi. Oh, ils l'ont soigné, ça. Something about the artifacts. Yes. All right. Keep an eye on him then. Also, there was one more thing I ils ont trouvé donc ce gars, ils l'ont soigné tout ça. We found him. He had some kind of weird clock device. Et ah, OK, il avait apparemment celui qui avait le dernier artefact, c'est une time machine. Machine à remonter dans le temps. To be continued in a rewind time. Nice. Donc, chaque map a un principe différent qui contribue à l'histoire. J'aime. Donc, on utilisera ça dans une prochaine map de The Blue Man, évidemment, qu'on fera sur la chaîne. Bref, dans tous les cas, merci à tous de regarder. J'espère que vous avez bien apprécié. Je ne suis pas du tout observé par The Blue Man et Benjamin. Je me sens observé, en fait, totalement. Bref, j'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire, même si les pouces rouges disparaissent petit à petit pour tout le monde. Je peux toujours les voir, normalement. Quoique, en fait, j'arrive même plus à les voir sur ma chaîne, alors que je suis censé les voir. Bref, merci à tous, et on se retrouve pour une prochaine. Ciao, ciao!